C'est dans le cadre de la fête des mères en différé que le mouvement des femmes de la commune d'Akanda s'est mobilisé fortement ce samedi 24 août à Malibé 1 afin de réserver un accueil plus que chaleureux à la présidente Nathalie Onyan. Mot de bienvenue de Fernande Moore, responsable des femmes de la commune, par ailleurs vice-présidente en charge de la mobilisation. L'honneur me soit de m'exprimer devant cette auguste assemblée venue des quatre coins de la commune d'Akanda. C'est à cet effet que la commune d'Akanda, par mon nom propre, je voudrais ici que nous souhaitons la bienvenue à notre maman, la présidente du mouvement de femmes, notre marraine que j'ai citée ici, Nathalie Onyan. Célébration qui a tout son sens au moment où le pays s'apprête à célébrer la journée de la libération. Elle permet aussi de redynamiser leurs activités, renforcer les liens féminins et de sensibiliser les femmes sur les rôles que doivent jouer les mamans dans leur foyer, mais également dans la société. Le mouvement des femmes, cela montre à suffisance la place importante qu'elle veut donner à la femme. Je parle de Madame Onyan. Dans nos sociétés africaines, la mère doit jouer un triple rôle. Donner la vie, éduquer, nourrir. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Ça pèse sur nos épaules. Nous ne sommes pas n'importe qui les femmes. Elle est porteuse d'harmonie, la femme, et de stabilité dans le foyer conjugal. Et c'est elle qui transmet également à nos enfants nos valeurs et notre culture, à toutes les familles monoparentales ou les mères. Et plus particulièrement, nos jeunes filles mères assument seulement ce triple rôle. Et nous savons bien comment c'est difficile et combien vous êtes de plus en plus nombreuses. Soyez toutes sincèrement, en ce jour de la fête des mères, triplement félicitées. La joie, l'ambiance était au rendez-vous dans un esprit de bon enfant. Pour valoriser leur mère, sœur, affectueusement appelée Mama Natou, le mouvement des femmes de la commune d'Akanda a honoré la présidente de la plus belle des manières par la remise des dons de produits 100% bio, dans l'espoir de consolider les liens, la cohésion sociale et le dynamisme du mouvement. Un repas a été réservé à toute l'assistance.